Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Allez, aujourd'hui j'instille un nouveau principe. Le jeudi, je finis. Parce que j'en ai marre. Faut que je finisse des jeux. Même s'il faut que je me force. Des jeux que j'ai du mal à finir, faut que je me mette dessus. Et faut que j'arrête de commencer des trucs juste comme ça. Si je commence, je finis. Voilà, moi je suis comme ça. Ou alors vraiment, on établit que je le finirai jamais. Que c'est pas des jeux que je peux finir. Mais bref, du coup, de retour sur Judgment. Judgment. Alors, à un moment, je vais faire une pause parce que j'ai une machine à laver qui tourne. Elle met 3 ans. J'ai dû arrêter le programme en cours alors que ça faisait une heure qu'il tournait parce que j'ai retrouvé un truc qui était dans les poches qui était clé. Du coup, j'ai les clés les plus propres du monde. Mais c'est pas grave. Mais j'entendais cling cling. Et le pire, c'est que j'ai déjà lavé ces seringues une fois. Mais elles sont tellement sales que du coup, je refais un cycle plus chaud parce que là, ça décrase pas. Et du coup, les clés qui étaient dans la poche ne sont pas tombées entre deux. Et maintenant, elles sont tombées. Donc c'est de la. Bref. Bon, du coup, nous en étions où? Nous en étions à. Aller faire dodo, apparemment. On va dormir. J'avoue, je pense que je vais bourrer l'histoire maintenant parce que. C'est pas que j'aime pas le jeu, c'est que le jeu est très sympa, mais faut se mettre dedans quoi. Et je trouve que c'est très long. Oups. Je trouve que c'est très long de se mettre dans le gameplay au bout d'un moment. Et ta gueule. Déjà, on entend les flics, on entend les ambulances, mais il y a personne. C'est fantastique, mais bon. Pardon, 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 pardon. Ok. Non mais l'autre il est là partout. Tiens, bam, allez, petit coup pour le plaisir. Ah, j'ai jamais fait ça. Allez, fais le mur. Saumural. Bon bah passe au mural. En fait non. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui si, si pardon, je m'en souviens. Redémarrer les avatars. Parce que zut. Quand même, j'ai mis ça. On va les mettre quand même. Hein. Je me suis embêté à mettre ça en place, autant le mettre tant que j'ai l'idée, mais il va falloir que je trouve une autre idée. Bon. Tiens, j'ai besoin de finir un resto, limite. Eh, j'ai besoin de me soigner. On va en profiter. Oh, je dis. Pardon, excusez-moi. Pas ici, pardon. Excusez-moi, c'est où le chemin? Là? C'est où le chemin? Where is it? C'est là-haut? Je prends l'échelle? J'ai un œil du dragon. Mais je pense que ça, c'est un jeu que je vais faire sur mon temps libre. Où je finirai les missions annexes, je fais des trucs comme ça pour m'occuper. Bon.
Ou alors faut vraiment que je joue en journée quoi, genre en plein, quand j'ai clairement le temps. Bon alors, le magasin de bœuf là. Et là, on est d'accord. Bon, non. Ah non, c'est pas ici, ça c'est autre chose, attends. Non, c'est pas ici. Et faut que je monte à l'étage. Oui, c'est le petit café. Avec l'autre qui essaye de draguer la meuf, qui essaye de draguer le gars qui essaye de draguer la meuf, et que c'est très, très mal parti. Ils sont tous très mauvais. Oh, content de vous revoir, Yagami-san. Salut, Miharu-chan. Voulez-vous asseoir? Suivez-moi, je vous prie. Très bien, tu me pries. Ah, au fait, comment se passe ce collègue? Comment ça se passe avec ce collègue dont vous m'avez parlé l'autre jour? Ben, pas trop mal. On se parle dès qu'on est affecté au même quart. Mais encore rien de concret, hein? Non, mais au moins on rigole bien. Il a l'air de vraiment s'intéresser à moi et sort pas mal de trucs marrants. Ok, et est-ce que vous êtes sorti quelque part? Non, pas encore. Je vois, je vois. Alors, imaginons qu'il vous propose de sortir. Où est-ce que vous aimeriez aller? Pour un rendez-vous en tête-à-tête? Un endroit normal ferait parfaitement l'affaire. C'est quoi, normal pour vous? Eh bien, par exemple, aller voir les dauphins à l'aquarium. Vous aimez les dauphins, hein? Ils sont beaux à voir, c'est vrai. N'est-ce pas? Gotaro sort de ce... Gotaro. Jotaro sort de ce corps. N'est-ce pas? Ils ont des petits yeux qui brillent et d'adorables petites nageoires. Ah, ils me font totalement fondre. Vous avez l'air de raffoler des mammifères marins. À quelle sauce? Ah, tout ce que j'aimerais, c'est... Ah, tout ce que j'aimerais, c'est visiter un aquarium avec quelqu'un que j'apprécie vraiment. Dauphin ou pas. Eh bien, j'ai comme le pressentiment que ça va pas tarder. Je ne suis pas devin, mais bon. Faut rigoler, hein? Ne dites pas n'importe quoi. Non, je suis un peu plus sérieux. Vraiment? J'espère que vos prédictions se révéleront exactes, Yagami-san. Moi aussi. Parce que comme ça, j'aurais fini de venir ici. Merci pour le repas, Miharu-chan. A plus tard. Merci d'être venu, Yagami-san. Mais à la base, je venais vraiment bouffer. Je venais pas juste pour la quête, je venais becter, hein, parce que j'ai faim. Excuse-moi, j'ai faim quand même, hein. Bienvenue, oui, oui, bienvenue. T'as encore des trucs que j'ai pas bouffé? Oui. L'omulaïs. Ah non, attends. Avant le gâteau de saison. Un délicieux gâteau débordant de saveurs exquises de fruits de saison. Et ça va me caler. Vous n'avez pas assez d'argent. Merde. Bon, bah une salade. Votre santé est à son maximum. Oui, bah, pardon, excuse-moi. Voilà. Vous avez sélectionné un produit. Je vais y arriver, je vais y arriver. Voilà. C'était vraiment pour me refaire de la santé. Attends, et tous les gars que j'ai pété tout à l'heure, y'a rien eu? Ils m'ont même pas donné 10 balles. Le solo. Merci, voilà. Gastronome. I am le gastronome. Il y a les gastrofemmes et les gastronomes. Enfin, je veux dire, les gastronomes, les gastronomes. J'ai un truc de quête là. What? C'est ma proprio? Bonjour Tomiyoka-san. Belle journée, hein? Ah! Vous arrivez à un point nommé, Yagami-kun. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai perdu les clés du volet roulant du bâtiment et maintenant je peux plus y entrer. Vraiment? Pas de bol. Plutôt, oui! Je ne sais vraiment pas quoi faire. Je suis une voix de merde. Eh bien, il va falloir que vous trouviez un moyen d'entrer. Pas besoin de détective pour arriver à cette conclusion. Bon, vous voulez bien m'aider à ouvrir cette serrure? Vous pouvez le faire. Ce sera comme dans une intrigue criminelle. Il suffit d'un couteau et d'un rouleau d'adhésif. Je doute que ce soit si simple. Et vous faites référence à quelle série au juste? On
s'en fiche. Bon, vous pouvez tenter quelque chose ou pas? Bah ouais, je suppose. Je n'imaginais pas Tomiyoka-san si exigeante. J'aurais bien d'ouvrir ça, et vite. Sinon elle va me virer de mon bureau. Mais ma maison, c'est quasiment la même chose. Très bien, c'est ouvert. Oh, je savais que vous pouviez y arriver. Merci mille fois, Yagami Koni. Bah, pas de soucis. Bon, je file maintenant. Vous n'oubliez pas quelque chose, hein? Du genre 3 mois de loyer? Vous savez, là, c'est que là, je dois... Enfin, vous voulez bien attendre encore un peu? Vous voulez bien attendre encore un peu? Chotto! Hé, c'est pas une auberge de jeunesse ici. Vous savez combien ça coûte un entretien? C'est fou, je sais. Allez. En fait, ça me donne une idée. Dois-je vraiment demander? Vous êtes un jeune homme en bonne forme et doué pour forcer les serrures. Je vais vous présenter un ami serrurier. Pourquoi? Vous pourriez travailler pour lui à temps partiel, histoire de gagner quelques pièces, comme toutes celles que vous me donnez. Oh, je suis vraiment obligé. Ben tiens, d'ailleurs, je l'appelle maintenant. Il faut le battre le fer tant qu'il est chaud. Hey, achète ce téléphone. Allô, Koizuka-kun? Désolé de t'appeler comme ça, écoute, dans ma résidence, j'ai un locataire qui... Oh, le style! C'est un gars de l'armée. Tomiyoka-san, ça fait plaisir de te voir. Alors, c'est lui dont tu m'as parlé? Ouais, Yagami-kun. Qui est-ce, Tomiyoka-san? Voici Toshiro Koizuka, c'est l'un des meilleurs serruriers de Kamurocho, mais je l'appelle Koizuka-kun. Enchanté de te connaître, Yagami-san. Tout le plaisir est pour moi. Bon, Yagami-kun, travaillez dur pour mériter votre toit. Et pour les détails de notre accord, adressez-vous à Koizuka-kun. J'espère qu'il ne vous épuisera pas trop à la tâche. Bon, oui. Sérieux, Tomiyoka-san, Dak, je suis à la ramasse côté loyer, mais... Bon, c'est peut-être pour ça qu'on en est là. Tu veux bien que je t'explique comment fonctionnent les choses ici? Oui. Faites. Quand je reçois une commande, je te la transfère. Après, tu tranches chez le client et tu ouvres sa serrure. Voilà, c'est tout. Tu sais ouvrir la serrure, pas vrai? Oui. Bien. Je suis l'atelier la plupart du temps, alors passe me voir quand tu seras prêt à travailler. Où est votre atelier? Senryo Avenue, côté nord. Il figure sur la carte. Oui. Compris, je viendrai dès que je serai libre. Bien. Je t'y attendrai. Cool. Alors, je travaille pour Koizuka, le serrurier, maintenant. Bon, d'accord. Je m'y rendrai dès que j'aurai le temps. Ok, donc on va apprendre, on peut apprendre à crocheter les serrures. Nice. J'ai quelque chose... Non, attends. Stop. Oh, y a-t-il quelque chose dans boîte? On m'a envoyé quelque chose. Un cadeau pour avoir tapassé Kenta Kaisai, Pyroxène bleu. Cool. Sympa. Voilà. Mais t'es un peu con, tu te prends ta porte à chaque fois, hein, quand même. Hein. Oui, ah, c'est la bonne. Bah oui, en même temps. Crétin. Bon. Ils ont dit, je vais faire dodo. Quelque chose dans mon frigo? Oh, Tomiyoka-san a mis de la nourriture là-dedans. C'est... de l'homo rice. C'est l'heure du casse-croûte. Je vais le réchauffer et le manger tout de suite. J'en ai rien à foutre si ça me soigne. Bon sang, c'est bon. Je vais reposer. Oui. Yes.
Putain, ma machine à laver, elle met 3 ans. Putain, j'ai fait un programme 90, ça prend 3 ans. Je dois aller au cabinet de Genda, j'espère que Shinokun sera là-bas. Je crois que c'était marqué ça, j'ai pas eu le temps de lire. Oui, quelles sont mes missions? Rien. Bon, parfait. Comme ça, je vais pas m'éparpiller. On ferme la porte avant de te barrer quand même. Bon. Bon, on va y aller, hein. Tu sais où je me dis, un petit épée serait pas des... serait pas trop, hein. Quand même, hein. Sur le bord... Pardon. Oh là, je cours, hein, j'ai rien de bien à faire. Ah, bonjour. Voilà. Oh, je peux prendre un pour taper sur les autres? Tiens, bam. Tiens, 5000 yens. De la bouffe. Ah, attendez, faut que j'aille regarder un truc. Oh, joli. Ah, je l'avais rarement fait, celle-là. Merde, pardon. Ah, j'avais rarement fait le move où je me jette et tout. C'était magique. Alors attendez, j'ai mon ordi qui me dit un truc. Yes. Hop, du coup. Hop. Je fais un truc parce que j'ai des trucs qui se passent en même temps. Oui, je fais plusieurs jeux en même temps et alors? Y'a pas de respect ici. Voilà, c'est bon. Bon, allons voir. Bon, du coup, je me suis fait un peu d'argent. Ça fait du bien parce que. Oh, j'étais un peu pauvre. J'étais un peu l'enfant pauvre des détectives. Alors, continuons l'histoire. Oh, bah alors, Kaito, t'es déjà là? Oui. Merci, ma grosse tête. Ma grosse tête n'est bien. Hein. D'accord. Et c'est sympa, c'est gentil. Le patron est jamais là en ce moment. Hein. C'est lui la taupe depuis le début en fait. Genda-sensei, aujourd'hui, vous ne venez pas? Non, il est venu à l'après-midi. La voix n'est pas encore en forme. D'accord. Mais en plus, j'ai demandé la question hier. Le cas de la personne qui a été arrêtée, j'ai vérifié. Dis-moi aussi. Le centre de développement de médicaments, le directeur, Hashiki Toru, il y a un an et demi, 殺害された当時、51歳。深夜、神室町の路地裏で倒れているところを発見されました。誰かに殴られたようですでに意識はなく、その3週間後に病院で亡くなっています。3週間も？ええ、その間ずっと昏睡状態だったみたいで。その前、プレミティックスクレセントンキャジヒラ。誰か事件の目撃者は？ 犯行そのものを見た人はいなかったようです。ただ事件の直前、ハシキが酔って声を荒げてた姿は大勢に目撃されてます。相手は黒いレインコートの男。黒いレインコート？ええ。でもその続報はなしです。多分警察でもそいつを見つけられなかったんじゃないですかね。とまあ、ネットに落ちてた情報はこんなところでした。 Mieux que rien. Kajihira
Hashiki が計画的に殺されたと。ん？ああ、そう言ってた。でも本当に単なる喧嘩だったのかも。ええ、実は僕もそう思いました。もし犯人の目的が Hashiki を殺すことなら、なぜその場でとどめを刺さなかったのかなって。つまり、ただの雪吊りの喧嘩だったから、Hashiki は即死じゃなかった。いや、俺は逆だと思うがな。え？犯人はプロで、しかも凄腕だ。なんでそう思うんだ？ええ、どうしてです？なんでって、結果だけ見りゃこの犯人は人一人静かに殺してのけたわけだろ。もし殴ったその日にHashikiが死んでたら、警察も殺しとして動く。だがよ、気失ってただけじゃ、よくある酔っ払いの喧嘩でしかねえ。そんなもん、カムロ町じゃ腐るほどあんだろ。確かに、事件から亡くなるまで間が空いたせいですかね。Hashikiが死んだことは全然ニュースになってません。一応、日本の科学界では名のある人だったのに。じゃあこの犯人は、Hashikiが致命傷か見極めて、すぐには死なないように加減した。そんなことできるんですか？だから犯人は凄腕なんだって。こいつは相当暴力を分かってるやつだぜ。だろ？Je sais pas comment on se fera le dire, oui. Bah, 一理あるのは認めるよ。けど、そう決めつけるにはまだ材料が足りない。まあな。材料というと、Hashiki殺しの捜査資料とか、詳しい死因なんかも知りたい。となると、ここはまた綾部刑事の出番じゃないか？ああ、俺もそう思って、実は昨夜電話してみたんだがよ。なんだよ。今は例の黒岩に締め付けられて動けねえだと。しょうがねえ。せやや。代理の人間が話を聞いてくれるそうだ。例のカジノラマンでな。お前も行くだろ。ああ、もちろん。Bon, bon, les infos, je les regarde vite fait, c'est juste pour la forme. Ah, l'homme en noir, on sait pas trop, patati patata. Allez, on y va. Oui, oui, excuse-moi, laisse-moi passer. Pardon. Chabit. Ça fait un peu ça, ça fait un peu ce move. Très bizarre. Bon, il est où la main? Ah, on va se battre. Ah, bonjour. Cool. J'aime bien les combats à plusieurs. Matsugane gumi no mon dazu. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Nande daro ne. Zuibun sakki ga mukerare teru yo. Oh? Omae mo sou iu no ga wakaru you ni natta ka? Moshikashite ore ra kyōrei kai to tsurunderu you ni mirare teru nja. Nan ni shite mo言い訳は聞いちゃくれねえようだ。オッケー。Mais si tu peux ne pas bugger par contre. Bon alors, j'ai raté. Je voulais faire un bon move. Tchac. J'aime bien ce move. Il est mort. Ouais. Joli. À nouveau. Blam. Ah, faut pas qu'ils se collent tous à moi, c'est pas bon. Panneau. Ah oui, le dernier. Panneau. Au revoir.
Ah, est-ce que ma machine est passée en lavage? Enfin, en rinçage. Faut un bordel monstre. Elle prend 3 ans ma machine à laver. On va bien le mettre pour ce soir quand même. Oui, hayato ko tsurakaru tabo. Oui, oui, oui. Ça s'est bien passé. Tranquille. Ils ont même pas laissé de fric, c'est dommage. J'aime bien quand il y a de l'argent. C'est bien l'argent. Alors, la main. Bonjour monsieur. Oh là là, la machine à laver, elle bouge beaucoup. Non, ça va ? C'est le temps qu'elle se fasse. Ah oui, j'ai la clé. Aïta. M'en plaît plus. Koko ni Ayabe no daeri ってのがいるはずだ。どんなやつなんだ？さあね。向こうから声かけてくるんじゃねえか？だか。そんじゃまあ、探してみようかね。Bon, il est où là? Non, je veux pas acheter des jetons, ça va. Bonjour. Oh, un joli coquillage. Vous voulez un joli coquillage? D'accord. J'ai l'impression que c'est une quête annexe plus que la quête principale. ノリが良くて情熱的なタイプね。そんなに嫌いじゃないよ。でも、俺もこう見えて慎重っていうか、メカデプリンシップ。対面の女性とは。ヤガミ君、本当に私がわからないの？ん？誰？なんでお前？マフ？あ、oui、マフユ？ノリが良くて情熱的な女じゃございませんの。Pourtant, quand on était ensemble. D'accord.創薬センターの橋木が殺された事件のね。必要なんでしょ。検察から持ち出してきたのか。やばいだろ。だからちゃんと変装したし、ここでなら大丈夫なんでしょ。ドキドキしてるけど。無理すんなって。いいの。昨日助けてもらったお礼だから。それともう一つ。泉田健二の件だけど。ん？やっぱり新谷先生のことで矢上君を逮捕する気みたい。étonnant。そっちも早く何とかした方がいいよ。分かってる。ありがとうな。じゃあね。elle est bonne. Je peux me la faire? Non, non. 誰だ？今の姉ちゃん。綾部の代理だよ。あ？
なんだよこれ。Bah, un dossier, t'es con. Qu'est-ce qu'on a là ? Bah, un dossier. Allez, parlons-en. Sosa Shirio, ka ? Hashiki ga korosareta toki no. Mafuyu ga kensatsu kara mochi dashite kite. Quoi, c'était Mafuyu ? Mafuyu-chan ? Ja sakki, omae to ita nee-chan ga ? Ore mo saisho kizukanakute okkorareta yo. Oui. Bah, on en parle ou pas là ? Parce que c'est chiant. Kono Hashiki no Shirio. Merci. これ橋木の経歴か。さすがの高学歴って感じだな。そのマシンが avait fait un bordel de merde derrière。たのが4年前。ってことは、お前が大久保の弁護をしてた時には、もう橋木もセンターにいたんだな。木戸と各研究に予算を割り振ってもいたらしい。となると、橋木もセンターじゃ結構な権力者だったはずだ。J'essaie de faire sa tête. Pour ça que Kaji est là, c'en est fait un allié, tout à fait. Kochi wa genba no shiryo chizu da ze. Koko ga Hashiki no taorete ita basho da. Sono 1 jikan kurai mae ni wa chikaku no kyaba de nondeta rashi. De, kore ga sono kyaba da. Mise no namae wa Queen Rouge.あっこは結構高いのに、羽振りがいいね。ハシキは一人でクイーンルージュに来てたのか。いや、もう一人同僚といたみてえだな。ん？例のショーノってやつと。Le son est très bizarre, ma machine à laver. Ce bordel.
Bon, désolé, je regarde ma machine à laver. Je crois qu'elle a bougé. Elle a dû bouger avec une lessive que j'ai faite qui était soit trop chargée, soit pas assez. Du coup, là, j'étais en train d'essayer de la restabiliser. Parce que là, elle a commencé à rebouger vénère. Du coup, c'était pas terrible, pardon. Attendez, c'était ce mec chaud, oui. Shono est le chercheur en chef de l'AD9, vraiment sous les ordres de Kido. タクシー会社の記録で裏も取れてるみたいだ。つまりショウノには、アリバイがあるってことか。あと、キドもそうだな。ああ、ハシキの方は、タクシー乗り場でレインコートの男と言い合いになって、その後、路地裏で倒れているのが見つかった。死んだのは、その3週間後だ。 ひどいな。死因は殴打による脳挫傷と。殴られたのは14、5発。手袋越しに殴られたと見られ、指紋は検出できず。これでやっと事件の大枠が分かったってとこか。で、次はどう動く？現場の場所が分かったんだ。ハシキが倒れていた場所を見。 Petite enquête. Sanguin indique qu'il était en état d'ébriété au moment où il a été tué. Ressentant les ressorts portés des gants. Bon, c'est parti, on va visiter. C'est quand même un truc, ces espèces de clubs underground, quoi. C'est parti. Bon, ma machine à laver va finir dans pas longtemps, va falloir que j'aille l'étendre. Bon, attends. Raccourci ! Bonjour les gars. Tiens, on va cloper un coup, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'il a pas fumé. Le pauvre, je le laisse un petit peu se détendre. T'as vu, il y a des clés de casier. Ah oui, on avait toujours qui traînaient. C'est-à-dire qu'un mec utilisait les casiers pour faire le trafic d'armes. Ils sont plus stricts. Bah, étonnant, Kamurocho, il renforce uniquement les lois quand il y a des violences. This is an indice. Je dois remettre en route, tout à fait. Ah, si ma machine à laver a fini. Ah, elle a fini. Elle a fini, je crois, je l'ai entendu faire clic.
Voilà. Consacré à ce que je veux, c'est-à-dire pas le linge. Et j'ai fini mon linge avant 10h. Parfait. On peut rien me dire sur le voisinage. Parce que j'ai fait ça au bon moment. J'ai fait ça à un moment opportun. Merde, je pouvais tourner avant. Pardon, je tape tout, je bouscule tout, je suis... J'ai aucun respect, j'en ai rien à foutre. Kaito-san, vrai, mais... Ok. Kono hen datte na. Kou ka? Sasuga. Le mec sympa. Hantoshi mae, heijitsu no yoru 11 ji sugi.店で一緒に飲んでいた翔のタクシーに乗せて別れた直後、橋木はレインコートの男と口論し、その後ここで倒れている姿が発見された。翔のがタクシーに乗ったのは昭和通りだ。そこから喧嘩するためにわざわざ場所変えたわけか。ここの人気がない感じ、犯人は初めから橋木を殺す場所としてここを選んだ。 そこまで言い切れるか？まあ刑事の勘ってやつ。誰が刑事だよ。ここはもういいだろう、タボ。事件から半年だ。何か証拠が残ってるわけでもね。ああ、そうだな。OK, OK. Bon. Voyons voir. Aller au bar. Ça me sert de courir, il faut aller au bar. Ah bon, c'est bleu ça. Ça c'est de la qualité. Ah quoi? Ça veut fight? Tac, allez, le gros. Pardon, le costaud. Eh hey, un cône de cygne. Yali. Zation. Tac, au revoir. Queen Luge. On l'a bien lu. Bonjour le Queen Luge. Il est là. Queen Luge. 真面目な研究者たちもこういうとこ来るんだね。まあ、ウィフォ、bien qu'ils se détendent quand même。橋木は真面目じゃないだろう。カジヒラのスパイだったんだから。まだ開店前か。誰かいりゃいいけどな。まあ、moi aussi j'espère parce que ce serait con qu'il y ait personne。Et pas une pièce d'un truc à ramasser là qui était bleu. Bon. Pas grave, je me suis fait avoir. Bon. Alors, on avance l'histoire. Hein. Je joue pas beaucoup. どちら様で？まだ開店前です。それにうちは完全会員制でして。ああ、先端創薬センターの橋木さんいるでしょう。あの人からの紹介なんだけど。橋木さん？さあね。 それに紹介ならご本人から直接していただかないと。Bah, il l'était.
Je ne vais pas le laisser jouer les innocents. Hashiki-san a mort, vous le savez. Un an avant, après avoir sorti de ce magasin, il a été tué par Hashiki-san. Qui êtes-vous ? Ce n'est pas un agent. Kamuro-chou. Yagami Tante Jimusho. Je vais vous parler de ce qui s'est passé. Qu'est-ce que c'est, toi ? そんな前のこと覚えてねえよ。いや、別にあなたの話じゃなくてもいいんです。この店、テーブルに女の子がつきますよね。できたら、橋木さんのとこについてたこと話したいんだけど。さっさと帰れって。うちがあんたらに協力するんで。なんも別レポンス。なんも別レポンス。紹介受けて、メンバーになったら話くらい聞いてやってもいい。ただ、 一応言っとくと、うちのお代は少々お高いんでね。そんなちんたらやってらんないんだよ。なら帰んな。 Ah, je n'ai pas le temps à perdre avec ces conneries. Yo. Kono mise, ima onna no ko boshu chuu nan da na? Ah? Ja, kono ko nante dou da? Sok saiyou da ro? Il envoie l'autre. Il l'envoie au bûcher. Oh le salaud. あの子ね。随分ハードル高いな。あのさ、うちは女の子の質が売りなの。そういう子はがっぽり稼げる。ただし、質のいい子ってのは可愛いだけじゃないよ。それ以外の個性や魅力が大事なわけ。 どういうつもりだ、海藤さん。あんた真冬に怒られるぞ。葦木と翔野が何話してたか探るためだって。キャバ嬢として潜入できりゃばっちりじゃねえか。バカ言ってんじゃねえか。え、で、problem。そんなの頼めるわけないだろ。うん。じゃあ、こっちの子は?サオリさん?無理だって。真冬でマーは。ルイはファン。イヴァキフェ。 他にいねえだろ。え、誰これ?紹介してもらえんの?は?この写真じゃ地味に見えるけど。いいね。磨けばいい。Après, j'avoue, je pense que c'est vrai. Je suis assez d'accord. Je préfère quand même. Saori-san、あれ実は相当いい女ですよって。マジかよ。あんた、ここの店長か? ああ。 その女の子ぜひ連れてきてよ。Est-ce qu'elle va être d'accord? J'y crois moins. Le mec il est kiffé maintenant. Attendez, je vous raconte hein, si je l'embauche. Le mec limite c'est presque ça, c'est presque il va nous raconter le truc en mode. Saori-san をキャバ嬢として送り込む. Alors, est-ce qu'elle est d'accord? これ以上手っ取り早い道はねえぞ。簡単に言うけどさ、だいたい沙織さんがオッケーするか。彼女だったら食い物で釣れる。美味しい和菓子の差し入れとかでよ。なんか飛び切りのやつで。<rire> Moi, en plus, je suis sûr, le mec, il va la prendre pour son côté très froid, un peu de tsundere, en mode... Quoi? Qu'est-ce que t'as, sale merde? Genre, tu sais, en mode, elle a aucun respect pour eux, elle les ignore, ça va être ça. だから、これまで差し入れたことがないくらい、飛び切りの上物にするんだよ。ん?それってどんなの?俺が知るかよ。スイーツ探しはお前に任せた。たく言い出したのは海藤さんだろ。 Oui, j'avoue, assume jusqu'au bout ton idée, mec. T'es mignon, mais tu fais chier. Meilleur dessert de tous les temps. Je l'ai trouvé déjà bon, les miens. Oh, peut-être. Ok, pour être bon, attendez. Ah, la meuf. L'autre meuf. Pas mal. Ma fouille sera ce qui plaît à Sayori-san. Ah, c'est vrai. Mais je sais pas comment lui expliquer ça. Vous avez déjà fourni le dossier, j'aurais pas exagéré. Oh. Bon, bah, le geek. Pareil que Tsukumo pourrait me trouver quelque chose sans problème. Bonne idée, je vais lui demander de lancer une nouvelle recherche. Je vais l'appeler. Yagami-shi, nandesho? Chotto, sagashiteru mono ga arunda. Oh, kondo wa nani o sagashi de? Wagashi ni wa me ga nai chou amatou no joshi ga zettai ni kuitsuku you na tobikkiri no ippin.
やがみしい古典的な作戦ですね。今時そんなのに釣られる女子はいるんですか？いるんだって。作戦を考えるやつも引っかかるやつも。そうなのですか。Continue à tout avaler, littéralement. ならばいつも通り、ユッターで調べてみますので、何か検索ワード。そうだな。それじゃあ、限定和菓子で頼む。承知しました。そちらに画面を転送しますぞ。全然ダメです。999件以上。検索結果が多すぎます。全然限定品じゃないな。大丈夫。矢上しよう。他のワードを追加して絞り込んでみましょう。Quelque chose qui ferait craquer Saori, quel mot pourrais-je utiliser? Je vais mettre matcha. Dame desu ne, zenzen hette imasen zo. Gente no matcha aji wa arifureta mono no yo desu na. Nanda yo, doko no meka mo nita yona mon bakkari tsukuri yagatte. Matcha no sen wa saketa hou ga yosa sou desu na. Chigau wado de retry shite mimashou. Ok, ouvert. Idesne, kanari kazu ga herimashita zo. Naruhodo, keigan desne. Okashi sono mono dewa naku, omise no hou ni shibotte kensaku shite mita no desu ka. Ah, shinki open shita bakari no mise no wagashi. Ah, c'est vrai que c'est pas faux. Sasuga ni tabeta koto wa nai hazu dakara na. Sasuga yagamishi desu na. Koko kara sara ni shibori komu no wa kantan desu zo. Ah.カムロ町を追加してみてくれ。よし、減った。どれどれ、京都で有名な老舗の竹光がカムロ町の七福通りで新規オープンですと。ビンゴ、そこに行こう。でも八神氏、これ限定品ですぞ。今から行って買えますかな。行かなきゃ買えないだろう。愛しの女子にあげるのか、はたまた別の用途か知りませんが。まだあるといい。 Non, c'est pour une enquête. とにかく助かった。 Thank you. ま、健闘を祈りますよ。 Wow. Oui, merci. La suite. Très bien que j'ai plus d'alliés parce que lui il participe jamais. Genre je le vois jamais au combat. J'ai dû le voir une fois vite fait, je crois.J'aimerais bien qu'il participe au combat en mode tiens, vas-y, prends ça, Yagami. Pour te battre. Je trouve ça trop cool. En mode, il participe. Comment faut avoir le jeu à donf. Alors, ils ont dit parle. Pâtisserie. Ah, bonjour madame, vous faites la promotion de la pâtisserie, c'est ça? Kyoto no honten ga netto ranking de yoban nano. Kamuro-chou ni open shite kurete lucky.Cool. Komaru nda yo ne. Kyoto no shinise da ka nanda ka shiranei ga. Kono machi de shoubai suru ni wa ruru o mamotte morawa nei to. Encore du racket. Desu kara, chanto yakusho ni wa todokede o shite imasu. Dakara, sou iu koto itte n janei nda yo.他にも通すところがあるだろって話。まさか、みかじめを払えってことですか？みかじめ？さあ、何のことかわかんねえな。ただルールを守れって言ってんの。ああ、ちょっとすいません、通してもらっていいですか？あ、なんだてめえ。兄ちゃん、悪いな。Non mais je suis buteur de mecs de méchants génériques. Rien. Eh, non, yo. Teme, nameten no ka? Ima kochi ga hanashiteru saichuu da tsun da yo. Nii-chan, kochi ga yasashiku itteru uchi. Oh, je vais avoir une édition limitée, pas trop chère. Sochi koso sugu kieta hou ga ii janai desu ka? Hein?こんな人前でみかじめせびってちゃ通報されちゃうよ。なんなら俺がしよっか。まさか肩着には手出さねえだろうと高く食ってやがんな。見くびられたもんだ。ちょうどいい。店閉めにこいつぶっ殺して
この町のルールを教えてやれや。Excusez-moi, j'utilise votre boutique. Voilà. Excusez-moi. À vélo. On pédale. Et au revoir. Bon, tu me donnes un mochi. Gratuit. Édition limitée. Nanda temera. Ima nara keisatsu zata ni shinai de sumasete yaru kara. Sassa to doko ka ni ikina. Kusa. Ano, ありがとうございました。あ、いやいや、大したことじゃないです。それより限定の和菓子が欲しいんですけど。すみません、今日はもう完売しちゃってて。売り切れか。くそ、もっと早くから知ってればな。あ、いや、あります、あります。どうぞ。ね、一般のお客様用とは別にテレビとかの取材用にいくつかストックがあるんで、それならまだ残ってるはずです。へえ、老舗ともなるとそんなのあるんですね。それ売ってもらえません？ご迷惑をおかけしたお詫びに差し上げますよ。ナイス。本当に？それじゃ遠慮なく。あ、voilà bimochi en série。それじゃあ私はこれで。本当にありがとうございました。Cool. J'aime les produits gratuits. J'ai le gâteau idéal pour ça. Ça sert à rien, que bien Genda. Trop de fait. Bloquer les attaques. Ça sert à quoi? Alors, voilà, bah, la parade, vous ne pouvez pas parer les attaques lancées derrière vous. Bah oui, pour éviter, restez en posture. Devant vous, attention, les lames ne peuvent pas être parées. Dans cette situation, il y a pour ramasser quelque chose, utiliser. Avec une arme en main, vous pouvez protéger les attaques plus dangereuses. Arrête peut être brisé, et c'est super chiant. Comme je suis en difficile, c'est encore plus chiant. En général. Allez. Bois un peu l'histoire, là, ça fait du bien. Bonjour, j'ai besoin de toi. Tu dois travailler ailleurs. Ah, le patron. Genda-sensei, c'est bon? Oui. C'est le plus tard. Ah, Saori-san, c'est ça. Oh, il vient direct. Yagami. Ah, oui. Désolé, je suis un peu Saori-san. ああ、こっちが先だ。話がある。え？そこ、座れ。ノン。パラロート。源田先生がお呼びですから。おお、ちゅうしえ。ウィー。ウィー、エクスパトロン。ウィー、スピリチュアルダディ。から全部聞いた。下手な言い訳するなよ。ムーシー。全部って？新谷の件だ。寄せつたにお前。Oublie le meurtre de Shintani. Ex-patron. On va me foutre au trou si j'oublie le meurtre. Donc je vais pas l'oublier, je vais me sauver le cul. どっぷり首突っ込んでんだろう。星野くんまで巻き込みやがって。前にも言ったがよ。新谷はあれでも。俺にとっては可愛い弟子みたいなもんだった。Mm-hmm. そのあいつが死んで、体中まるで力が入らん。昨日まで何食っても喉を取りやしなかった。この上お前や星野くんまで。
Je me dis si c'est la taupe, ce serait tellement drôle en vrai. そうやって寝込んでるうちにこうも思ったんだよ。こんなんでこの先もカムロ町で弁護士続けられるのかなってさ。パフォ。でもな、俺が間違ってた。え？弟子を殺されたのに泣き寝入りして何もなかったような顔でいられねえよ。Ah, petit truc. Pardon, c'est, je... en même temps, de toute façon, c'est toujours le problème de ce jeu-là, il est compliqué. Il me donne envie de l'arrêter toutes les 5 minutes. C'est super chiant. Parce qu'en vrai, c'est beaucoup de papote. Et j'aime bien un jeu narratif, par exemple, qui fait ça, mais oh, c'est très long. Trop long, c'est beaucoup trop long de faire ça. Oh, ça prend 3 ans, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas moi qui choisis. Oui, pardon, excusez-moi. Tout à fait.上見て這い上がろうとしている連中だ。だから他の奴に食い物にされたくなきゃ、強がりでもあったりでもとにかくファイティングポーズを取り続ける。それができなきゃ今すぐ新谷が殺されたこともきれいさっぱり忘れてこの事務所も畳むしかねえ。何か違うか。ヤガミ、お前は本気だよな。本気でして。C'est pas me venger, c'est résoudre résoudre l'enquête. Littéralement, c'est trouver la raison. よし。Parce que. 星野君のことも遠慮なく伝えてくれ。Utilise l'autre que. 星野君を新谷の敵討つまで、再三度外視で事件を追う。必ず犯人を突き止める。Ah, tu me payes? Ouais, vas-y, vendu.できることがあれば何でもやる。遠慮しないで何でも言え。Par contre, si ma théorie que c'est lui la taupe, le petit salaud, il veut mettre les mains dans le cambouis pour nous foutre dans la merde et nous détourner de tout. C'est le meilleur moyen, hein, participer à l'enquête et dire je vais t'aider, je vais te financer tout ça. Oui, en fait, c'est pour détourner l'attention. ありがとうございます。C'est peut-être pas le cas, hein, j'en sais rien. ただしこれ以上の犠牲者はなしだ。お前らに万一のことがありゃ、俺もおめおめ生き恥さらすつもりはね。もちろん気をつけます。で、手始めにというわけじゃないんですが、俺が今力を借りたいのは沙織さんなんです。沙織くん？ん？美味しかったでしょう。で。折って相談があるんだけど。Pour cette belle pâtisserie que je viens de te donner, tu me rends service? 無理です。そこをなんとか。ほら、お菓子全部食べちゃったろ。罠だったんですね。やり方が卑怯です。まあまあ、一日キャバ嬢なんて面白そう。ルビュー。その店の。ルビュー、ショーテス。なんで沙織君を気に入ったんだろうな。Mais c'était un diamant brut. T'as pas compris. Si on s'en occupe bien. Yades. Kakko sae nan toka suria kyabajo ni meru tte. Doshi da tte gomakeru. Yades. C'est peut-être une cause pire. Non. Sakki no okashi kinitta ro? Mata katte kuru kara. Yades. Kore chotto muri nan janai ka? Ma jitsuwa ore mo あの店長のヨタ話を真に受けんなどうか。ロティエヴェネア。僕はヨタ話だなんて思いません。一体沙織さんを何だと思ってんですか。いや、でも沙織さん嫌がっちゃってるし。それはお二人が沙織さんに失礼だからですよ。ナンバーワンじゃなくてもいいだの、年がごまけるだの、皆さんは沙織さんの本当の魅力を知らなすぎます。Elle sera déjà la meilleure et elle sera déjà la plus belle. Desu yo ne, Saori-san.
そこまで言われちゃしょうがないですね。Les deux qui craquent pour qui craquent l'un pour l'autre. Kamuro-chan no number 1. そうこなくちゃ。じゃあ矢上さんはまずドレスを選んであげてください。ヘアメイクもしなきゃ。Oh, elle peut pas le faire toute seule. 少しぐらいお金かかっても構いませんよね。お、うん。でも俺が選ぶの。大丈夫。ここはカムロ町ですよ。キャバ嬢御用達の専門店がありますから、そこで選べば間違いありません。ただ目的はナンバーワン取ることじゃ。ハシキが死ぬ前にショウノとどんな話をしていたか探るんですよね。そうそう。分かってます。ナンバーワンを取るのはあくまでついでですよ。それじゃ、参りましょう。やっぱり、そう来なくちゃ。Mais tu vas voir dès qu'elle va être habillée et coiffée. Oh, t'inquiète pas, je ne laisserai pas faire. C'est pas l'air d'être le genre à se laisser faire. En fait, c'est une ancienne délinquante, mais qui est une bonasse en fait. Enfin, ça va être un truc un peu comme ça et tu vas faire ok. Ok, j'ai rien dit. Ils vont tous se retourner leur veste en mode ok, en fait. Oui, quoi? Saori-san no doresu desu kedo, Showa dori ni Lumarche tte mise ga arimasu yo. Kamuro-chou no kyabajou go yotashi desu. Oui. Hoshino-kun, nan de souyu no ni kuwashi ni? Ouais, hein. Uchi no kurai yaku ni kyabajou mo oi desu kara. Sore yori, doresu ga kimatta ra, Saori-san no shame okutte kudasai. Tu veux une photo? Yes. Oui, j'avoue, c'est plutôt lui qui devrait le faire. T'as l'air de t'investir. Fais-le, hein, mec. Hein. Me demande pas de le faire, hein. Vas-y. Hein. Et prends, passe du temps avec elle, tu seras content. Oui. De toute façon, c'est toujours comme ça. Il les habille toujours de manière très sobre, très classique, très pincée, pour pouvoir, hop, les faire. Magnifique. Ben... Est-ce que Saori, tu te bats avec moi? Pardon madame, je voulais pas vous taper. Mais attends. Attends. Non mais mon vélo! Oh mon vélo! Voilà, un en moins. Merci. Non, non, on boit pas ici. Pas de soin. Oh, bah, connard. Lui, il est un peu vénère, hein, celui-là. Hein. Je vais me prendre une claque. Excuse-moi, le soin. Pardon. Ah, c'est vrai. Bon, ouais, j'en ai rien à foutre. Oh, enculé. Non, mais toi. Ouais. Ça passe de jeu. Ok, alors. Passe en mode vénère. T'as vu ça? Le contre? Ah ouais, aide-moi! Les flics arrivent! Vite! Finissons le combat, vite! Et bon, j'ai fini. Tout va bien. J'avoue, il a été chiant. Ah, mais... Par le bait. Oh, où est le marché là? Ah, par là. Ah, pas par là. Pardon. On peut courir sur la voiture, on est d'accord? Non. Ça va, de gueuler.
Pardon. Bon. Pardon. Ah oui, le marché. Oui, si, je connais ce magasin. Je suis un dieu chez ce magasin. C'est l'un des premiers que j'ai fini, c'est vrai. J'ai oublié. J'avais zappé. Pardon, pardon. Moi, excusez-moi. Voilà, donne-moi ton fric. Merci. Merci, très gentil. Bon, la robe va coûter un bras, il va me dire mais si tu me rends service. Ok, tu veux quoi? On va faire notre marché. Ah, le marché. Pardon. Bonjour, mes copains. Le marché. Révélation. Ah! Ah ouais, on joue à ça! Changer de robe. Ah ouais! Alors, je suis pas très fan de celle-là, perso. Elle est pas moche, mais je suis pas très fan. Celle-là, je la trouve plus jolie. Non, j'aime pas le... Non, vert, ça va pas. Ouais, non, ça fait trop... Richou. Non, ça fait trop... Non, j'aime pas. Trop simple. Non. Alors ça, ça, tu vas emballer, hein. Non, mais là, c'est une nuisette. Ok. Non. Ouais. Alors ça, ça fait hôtesse. Bon, ça, ça fait pas hôtesse. Ouh, là, si tu veux que ça passe, tu prends ça. Hein. Brome moulante. Près du corps qui épouse les formes impossibles d'éteindre les yeux de décolleté plongeant. Sans deck. Robe bodycon. Robe droite qui souligne la silhouette, tout simplement. Bah honnêtement, pour elle... Je pense que ça peut être pas mal, en vrai. Changer la couleur. Un petit bleu ciel, un petit bleu presque turquoise. J'aime bien, moi. Oui, c'est mon choix. Hein. Les ongles. Rien. Rouge. Rose. Noir. Jaune. Non, rose. Classique. Ah ouais, d'accord, je peux même mettre une tiare et tout. Perte-tête, non. Machin de rose, non, c'est moche. Lunettes. Non, elles sont moches. Boucle d'oreille, ah. Mais elles sont énormes, les boucles d'oreilles. Ouais, non, je suis pas très fan des boucles d'oreilles. Collier. Ah. Oh, le collier, il donne un style. J'aime bien les petits colliers comme ça. Je trouve ça plus joli. Merci. Ça se marie avec n'importe quoi. Tout à fait. Et babag. Bague en forme de cœur. Wow. Non, limite la bague en forme de cœur. Je la trouve jolie. Montre. Non, le métal, ça va bien avec ce qu'elle a, je trouve. Oh, le bracelet noir et or, j'aime bien. Non, ça c'est moche. Ah, j'aime bien le bracelet noir et or. Et du parfum. Un parfum populaire qui remonte le moral à celle qui le porte. Un marque absente qui permet de rester calme en toutes circonstances. La mignonne. Voilà. Je lui donne mignonne. Voilà. Oh, moi je l'aime bien comme ça. Moi, ça, c'est mon goût. Comme va. C'est mon goût. Sobre mais efficace.
どう、沙織さん。着替え終わった？待ってください。着慣れないもので。なんか、デート中のカップルみたいだな。真冬に怒られますね。沙織さん、あいつとは幼馴染だったんだろう？ええ。中学校の時に。それからしばらくブランクがあって、大学の法学部で再会したんです。そうだったな。真冬はいかにも裕福なお嬢様育ちで、マンモ中学のクラスでもいじめられてたんです。真冬はことあるごとに私をいじめっ子から守ってくれました。彼女はその頃からもう検事を目指してて、私はそんなあの子に憧れたんです。一方的にですけど。もしかして沙織さんはそれで法律を？ええ、だから最初は私も検事を目指してたんです。でもやっぱり悪人を裁くより弱い人を守る弁護士の方が性に合ったみたいで。なんか今日はよく喋りますね、私。Ah, mais j'aime bien, ça me dérange pas. 人に歴史ありだ。そういえば真冬にも小さい頃憧れの存在がいたそうです。Un certain jeune avocat. あの子が子供の頃お母さんと歩いていたところを車にひき逃げされたんですけど。ああ、聞いたことあるよ。お母さんが真冬をかばってしばらくは意識不明で危なかったとか。うん、ええ、その後ひき逃げ犯が捕まったんですが、裁判の時もお母さんはまだ眠ったままだったんです。ひき逃げの状況はまだ小さかった真冬ではとても説明しきれません。でも担当した検察官は辛抱強く現場で起きていた全てを調べ上げて状況を理解してくれた。すげえ。物を言えない被害者に代わって正義を貫いてくれたんです。それがあの子にとっての初恋だったのかも。初恋？検察官に？その人は今真冬の上司で森田検事生です。え？森田検事生か。案外親父趣味だったんだな。矢上さん、私が真冬を紹介した日覚えてます？3人でテンダーで飲みましたよね。あの日森田検事生は別の女性と結婚。それで私、okay. 真冬にもっといい男の人を紹介したくて、あらあら、だから矢上さんを呼んだんです。そういや最初はちょっと暗かったよな、真冬。ショックでした。En vrai, moi je préfère Saori. いや、今は真冬より。Ah oui, carrément, on en est là, quoi. Genre, c'est pas. Oh, maintenant je commence à te préférer. 何言ってるんですか、急に。ヤガミさん、たまにそういうとこありますよね。よくないと思います。Je l'ai choqué, c'est bien. 冗談だっての。Faire réagir les femmes, c'est une bonne chose. 着替え終わりました。ん？へえ、いいんじゃない？本当ですか？あ、そうだ。ちょっと写真撮らせて。え？おしのぶるにフォト。勝手に写真をアップすると人格権の侵害に。いや、星野くんに頼まれててさ、ドレスに合わせてメイクを考えたいとか。はあ。と、早速電話かかってきた。星野です。完璧じゃないですか、矢上さん。沙織さん、やっぱり最高に綺麗です。かーいいなー。やっぱり僕も一緒に住んだったから。え、トントンで、美容室はどこにすればいい？そうですね、同じ昭和通りに美容室チェリーってお店があります。ちょうどそこから近いし腕も確かですから。分かった、ありがとうな。うん、elle va se faire harceler sur la route. Attends, c'est où l'entrée?Salon de coiffure Cherry, c'est l'endroit que nous racontons au Shinokon. Ok. Let's go. いらっしゃいませ。
今日はどのようにいたしましょう。Je me demande si ça change des choses. Ah non, tu choisis. Changer la coiffure. Ébouriffer. Coiffure pour timide qui veut le dissimuler. Ouais, bien de surprise qui se cache derrière la lunette. Alors non, tellement pas. Alors attends. On peut dézoomer. Je veux voir sa tête de partout. Non, ça lui va pas. Ça lui va pas. Là, ça pourrait aller. Non. Ah, ça pourrait aller, ça. Non, tellement pas. Non plus. Pas une gamine. Trop. Non, trop. Ça lui va pas. Ah, limite, les cheveux attachés en arrière, c'est pas mal. Là, ça lui... Non. Ah, oh, le classique. Le carré. Classique, mais clairement. Il marche le carré, je suis désolé. Autant que les cheveux courts. Après, je suis plus cheveux courts, moi. Enfin, surtout là, les japonais. Non, trop travaillé. Après, ça lui va quand même. Honnêtement, je pourrais le considérer. Long tendance, alors là, non. Non plus. Tellement pas. Oh non, tellement pas. Un mulet soyeux. Oh non, je suis désolé. Les cheveux à moitié tressés comme ça. Le carré tressé, il est joli. Hein. J'hésite entre carré tressé, le mi-long bouclé ou le court. Non, le court lui va moins. Un peu de longueur. Non, carré tressé. Je suis plus carré tressé. Ah ouais, je peux carrément changer sa couleur de cheveux. Non mais je suis pas un salaud, je lui laisse... non, je te laisse ta couleur, je suis pas salaud. Alors, les sourcils. Oh, les souris, c'est mignon. C'est le standard. Uniforme. Fin, épais. Oh, uniforme, c'est bien, je trouve. Non, dans les coups. Ah, les cils. Par défaut... Non, juste les cils ouverts, c'est très bien. Ah, attends, est-ce que je peux pas mettre un petit peu de... Non, c'est moche. Du fard à paupières. Ah, ça va être sympa. De l'ombre à paupières. Ah, ça marche bien, l'eyeliner. Hein. Non, ça lui va pas. Non, ça, c'est moche. Un eyeliner standard. Par contre, la couleur. Est-ce que je fais ressortir la robe? Ah, j'aime bien un petit violet comme ça, c'est joli. L'ombre à paupières. Je peux avoir une couleur prononcée? Non, ça va pas. De toute façon, si tu mets de l'eyeliner, tu mets pas de l'ombre à paupières. Clairement. Lentille. Ah ouais, carrément, on en est là, quoi. Oh, wow, ça lui fait des yeux de ouf. Wow, ça change le regard tellement fort. Parce que là, du coup, les yeux très sombres à la japonaise. Et là, d'un coup, waouh. Ça change son visage. C'est impressionnant. Un iris coloré, c'est dingue. Après, si j'étais ça, je lui ferais des petits yeux verts comme ça. Ah, je change. J'aime bien. C'est plus joli, je trouve. Couleur des joues. Ah, non, blanc, c'est moche. Oh non, ça va pas avec ta teinte. Ah, ça, c'est quasiment sa couleur naturelle. Du coup, c'est pas très intéressant. Un petit blush. Voilà, un petit blush to me. Ou tout léger. Non, le rose il va pas sur ta peau. Rose c'est trop... Non, rose. J'hésite sur le blush là. Ah, peut-être celui-là. Ça lui donne un peu de... Ah, c'est trop orange. Ça aille bien avec la peau. Non, celui-là, je l'aime bien.
un petit blush quand même. Il y a une petite couleur, quoi. Genre, elle a pas un teint de rien. Alors, les lèvres. Mm-hmm. Non, jaune, c'est moche. Là, il faudrait quelque chose qui aille avec la robe. Non. Non. Non, trop classique. Non. J'hésite entre un rouge très profond pour mettre du sombre sur son visage. Que du coup, sa tenue est très claire et j'aime bien le côté sombre. Ah ouais, ça va. Honnêtement, ça marche. Les gens sont pas d'accord avec moi, je suppose. Mais clairement, non, honnêtement, j'aime bien. Elle a un bon style. Je trouve, honnêtement, elle est jolie. C'est assez commun, mais pas trop, et ça a quand même un peu de personnalité. Ah d'accord, je la joue. Ah, c'est mignon. Et du coup, genre, je vais avoir des mecs qui vont se retourner sur moi, c'est ça? Ouais, hein, t'as vu. Oh l'autre, sa copine va le taper. Pardon, monsieur. Ah, d'accord. Simulateur de bonasse. Simulateur de femme jolie. Non, honnêtement, elle est jolie. Elle est très jolie. Elle est même pas... Encore... Ouais. Un peu sexy, mais clairement... Oui. Allez, Queen Luge. Le mec, il va être... Et là, il va dire, mais elle est moche, en fait, maintenant. Moi, je la voulais naturelle. Ça va être un peu ça, je sens. Dozo, omachi shite orimashita. Itsumo arigatou gozaimasu. Oh, anta ka. Le no shashin no onna no ko wa surete kite kureru ndaro. So shitara, konya kara hatarakeru ka. Jissai atte mondai nakereba ne. Tashika ni sozai wa yosa sou datta kedo, migaite honto ni hikaru ka dou ka wa mata betsu no hanashi de. Iya, kore wa... Ah, j'aime bien la française. Bordel de merde. Oh non, honnêtement, ça lui va. Shirosaki Saori-san. Saiyo. Saiyo desu tte. Sugoi na matta ka. Zehi uchi de hataraite. Oh, je lui ai donné un regard tellement profond avec les lentilles. Kanojo mada chotto kinchou shitete. Si elle a les yeux noirs, ça aurait été trop. Là, ça lui donne de la profondeur. Shaberi mo tottemo ii. Ha. Oui, j'allais dire, c'était totalement ça. Vous savez pas gérer un établissement, par contre, hein. Saori-san datta ne. Kochi da yo. Tsuite kite kureru? Sate, sekkyoku no keiken wa nai tte koto da kedo. Shoujiki zenzen mondai nasasou da ne. Elle me fait penser à une actrice que j'ai déjà vue. Sou deshou ka? Hora, chanto teinei go tsukaeteru desho. Wakai ko da to ikinari tameguchi toka futsuu da shi. 私、若くありませんから。うちはカムロ町でも高級店の部類に入るから、当然お客さんの質も他とは違ってくる。一流企業の幹部クラスが接待に使ったり、
芸能人がパーティーに使ったりすることもある。そういう人たちが相手の仕事になるから、とにかく失礼のないように。 OK？ わかりました。あの、何か気をつけることはありますか？まずはどんな話でもとにかく相槌を打つ。楽しそうに興味あるふりをして褒めちぎれ。なるほど、褒め殺しですか。そしてグラスが空いたらすぐに注文を促す。あわよくば自分の分も一緒に。おねだりすればいいんですね。ああ、ボディタッチされながらのおねだりとか、おじさんはコロッと参っちゃうから。それは無理です。まあ女の子は君だけじゃない、同じ宅に他の子もつく。先輩の接客を観察して真似すればいい。みんなそうやって一人前になっていくんだ。頑張ります。J'ai pas l'avoir marqué des points en tant qu'hôtesse, ça reste une enquête, tout à fait. Alors trouver la fille qui était avec Ashiki, va me faire démasquer. Ce n'est pas facile, mais j'en suis capable, je vais dénicher ces infos. それじゃあそろそろ開店の時間だ。沙織さんにも早速入ってもらうよ。Mais le pire, c'est que la robe, elle colle vachement bien à l'endroit et je le savais même pas. Genre le bleu, il est magnifique dans cette pièce. Mika desu. Saori to moushimasu. Oh, kore wa mata okuyukashii bijin da ne. Sa, suwatte suwatte.失礼いたします。と、まあそんなわけで会社の緊張するため、まだ若かった私にお鉢が回ってきたというわけさ。今で言うところのブラック上司ってやつですか。無茶ぶりにも程がありますな。どうすか、tous les secteurs ont leurs problèmes。 Bah oui。 Oh là, elle s'endort, elle a décroché. Comment lui en vouloir, cette histoire ne m'intéresse pas non plus。 でもそのピンチを無事に乗り切られたんでしょう。Les meufs, elles ont le visage blanc. Ah, c'est moche. だってすごく頼りがいがあるというか、仕事できる感じがしますから。Ah, elle est bonne. Elle est bonne. Elle se contente d'inventer. Oui, tout à fait. 感じってそんな気がするってだけじゃないか。大事大事。この子はちゃんと見抜いてるの。うちの社長は気づくのが遅いんだよ。たく。On peut tout avaler tant que c'est un compliment. Je crois que je peux y arriver. お楽しみ中のところ失礼します。スミレさん、ご指名入りました。あら、ごめんなさい。これで失礼しますね。Allez, c'est l'heure de se rapprocher. 出世する人間というのは、多かれ少なかれみんなそういう試練を乗り越えてるもんさ。おっしゃる通りで。La meuf est tellement plus là. どう？そういう経験ある？Allez. Je dois l'aider sans pourrir l'ambiance. Sore, muchaburi desu yo. Hein? Ima? Watashi ga muchaburi shichatteru no ka? Sou da yo. Black joshi naranu black kyaku tte toko ka? Mo, ikinari wa komaru tte ba.Ah, bonne action. Pfiou, il faut savoir réagir vite pour réussir en tant qu'hôtesse, tout à fait. Alors moi j'ai fait la bonne action. Ouais. C'était quoi ce plan? Il y a eu un plan culotte en passant, non? J'ai rêvé? Je me suis posé une question là. Je me suis dit, what? Je voulais pas voir ça, hein. Ces hommes d'affaires sont enfin partis. Tellement concentré sur la fin, j'avais oublié l'enquête.なんかごめんね。ロブがとてもいい。フォローしてもらってばっかりで。え、ああ、気にしないでください。私そうやって周りに気を配るのを慣れてますから。キャバ嬢向いてるんだね。私は全然。私なんかよりよっぽど慣れてそうだったけど。この仕事始めてどれくらいなんですか。半年くらい。まあ、あの頃よりはちょっとマシになったけどさ。新人の頃はマジ最悪。私がどんくさいせいでお客さんを激怒させちゃったことがあって、そのことがずっと忘れられなくて。
また怒られたらどうしようって頭の中すごい。あれ、on parie que c'est la meuf qui était avec eux。誰でもそういう経験ありますよ。それがね、そのお客さん、うちの店を出た後で亡くなっちゃったの。え？知らない？男の人が酔っ払って喧嘩して殴られたのが原因で死んじゃったって話。結構すごい人だったんだけど、アドデックナインっていう薬の開発に関わってる。あ、ouais. Tiens, on a le même bracelet.創薬センターの橋木さん。そうそう、なんだ知ってるんだ。ニュースにもなってましたから、私もちょっと引っかかってて。あの日私が注いだお酒のせいで酔っ払って、私がどんくさいせいで機嫌悪くなっちゃって、それで喧嘩なんかしちゃったのかなって思うと、なんか責任感じちゃってさ。Alors, c'est Mika qui a servi à Shiki-san. Atashi, zutto uriage zenzen da shi. Kono mama da to omise kubi ni natchau kamo. Nantoka shite uriage dasanakya ikenai no ni. Dou shitemo Hashiki-san no koto o omoidashatte. Ano Mika-san, sono koto nan desu kedo. Mika-san to Saori-san, shinki onegai shimasu. Ah, hai. Gomen ne, henna hanashi shichatte.Doit pousser Mika, ça ne m'en dire plus. Un mauvais souvenir pour elle risque de se braquer si j'insiste. Que faire? Saori-san, dajoubu. Ah, sumimasen, sugu ikimasu. Je dois gagner sa confiance, tout à fait. Donc faut que je l'aide. Faut que je l'aide à faire des meilleurs chiffres. Ça va être ça. Faut la mettre en avant. Moi je dis. Son verre est vide. Faire signe à Mika.Faire signe à Mika, hein. Yo Mika. Ah, ah non. Glass が空ですけど、何か飲まれますか？え、あ、そうだね。どうするか。Ouf, ça a marché. 景気よくボトルとか行っちゃう？そうしたいところだけど、今月はちょっとな。そうなの？ Non, je dois intervenir. Platerie. Comment une bouteille? Platerie. Ça marche toujours. 私も飲みたいな。え？私も私も。ねえ。いいでしょ？Elle joue bien la comédie quand même, hein. Elle s'amuse, hein. よし、ここはボトルを入れときますか。Je joue juste un rôle, je joue juste un. Elle essaie de se convaincre. En mode. Elle s'amuse trop. Elle s'amuse trop, la gamine. Ah, c'est plus une gamine. Maji, arigato! Konna sugoi uriage dashita no, watashi hajimete! Sonna. Mika-san ga ganbatta kara desu yo. Nene, kono ato owatta ra nomi ni iko? Watashi ogoru kara, orei shitai! Eh?でも、そんな。あ、じゃあ私イーバーを知ってるの。そこに行かない？私もミカさんの話聞きたいです。オッケー。あとちょっとだから、それまで頑張ろう。うんうん。あ、な、やっぱりなんかリクマ。ヤガミさん。あ、そっちはどんな調子？半年前。橋木のテーブルについてた子と友達になりました。店が跳ねた後、テンダーへ連れて行きます。すごいな、完璧じゃん。しかも跳ねた後って。矢上さんは今どちらですか？うちの探偵事務所。実は沙織さんと別れた後、俺の方で。あ、bonsoir。Alors、bonsoir Frax、comment ça va？ Tu as raté un bon moment que, où on aurait pu se foutre de ma gueule, où on aurait pu s'amuser,
de bonjour cette jeune femme à l'image, c'est moi qui l'ai habillée, qui l'ai maquillée, c'est moi qui ai choisi la tenue, c'est moi qui ai choisi le truc. Parce que dans l'enquête, il fallait qu'elle parte en infiltration dans un bar d'hôtesse, et du coup on l'a transformée en hôtesse. Et c'est la fameuse c'est la fameuse meuf qui était totalement coiffée en mode très banal dans le cabinet d'avocat de mon ancien, l'ancien cabinet d'avocat. Celle qui a l'air très stricte et tout. Et du coup, je trouve que j'ai fait un boulot sur elle. Comme ça. Elle est jolie. J'en ai fait une escorte. Oui, mais c'est pour l'enquête. En fait, là, elle est en train... Elle a sympathisé avec la meuf du gars qui est mort dans l'enquête. Du coup, là, c'est genre l'hôtesse qui a servi le mec qui est mort. Comme ça, on va lui en tirer quelques infos. Mais j'adore parce que la meuf, elle fait tout quand même pour réussir. Et à un moment, elle était là. Je joue un rôle. Je joue un rôle. Je joue un rôle. En mode presque. Essaye de te convaincre, hein. Mais bien sûr, pour l'enquête. Et... Mais bref. まあ、いろいろ今日だけですよ、八神さん。橋木と翔野がこの店でどんな話をしていたのかを探るんだ。その日ついてたキャバ嬢と直接話がしたい。なんとか見つけてみます。店が終わる前に電話しますから。 Ah, du coup, je repars sur lui. Oh non, c'était bien de la jouer, elle. C'était sympa. Et coup-ci, coup-ça, c'est pas la journée aujourd'hui. Et... Oh, dur. J'espère pour toi que ça va aller mieux. Saori-san no ken okage de umaku itta yo. Queen Rouge ni hairikometa. Yappari, boku wa zettai ni daijoubu da to omottemashita yo. Yagami-san mo otsukare sama deshita. Konya wa kore kara dou suru ndesu? Je vais me promener un peu. Oh, carrément, on est là. Qui m'écrit? Ah, l'autre avec les mecs qui foutent le bordel, oui. Oui. On a foutre. Oh, bah c'est chiant quand t'as le blues, hein. C'est rarement sympa. T'aurais pu avoir le funk, ça aurait été mieux. T'aurais moins dans le jeu. Eh ben j'en sais foutre rien. Limite, je vais aller regarder vite. Ah voilà, je sais pas pourquoi. Alors des fois, je pense que je sais pas c'est quoi la touche. Il y a une touche qui mute le retour, pardon. Et je disais, alors c'est quoi ce week-end? Ngoulou ngoulou. Voilà, pardon. Je dois avoir une touche à la con. Il me met dans la merde. Ça c'est une touche pour mute. Pas une touche pour mute normalement. Donc il y en a une de base. Je m'étonnerais quand même. Ouais, non. Bizarre. Pas ce week-end, celui d'après, je reçois des cadeaux. Oh, sympa. Toujours agréable, les cadeaux. Toujours agréable. Alors, où est-ce que j'en suis dans l'enquête? Je suis au chapitre combien? Je vais voir si je sauvegarde. Chapitre 7. Et... il y a... 13 chapitres. Donc je suis à moitié. Je suis qu'à la moitié. Ah, je suis à au moins à la 20ème BOD. Bon, en même temps, c'est parce que j'ai traîné. C'est parce que j'ai traîné, mais quand même.
Nguru Nguru, c'est pas que le week-end. Ah mais ça aurait pu être, ça aurait pu être, ça reprend ce week-end. Je sais pas. Et c'est pour ça que t'as le blues. Moi ça me mettrait le blues. Non je rigole. Ok, ok, ok. Bon après il y a des journées. Moi je dis rien aujourd'hui, là. Ah, je sais pas pourquoi j'ai réussi à reprendre un peu la forme là, mais c'est peut-être parce qu'il fait bon chez moi pour une fois. Et je suis pas ça me fatigue moins, mais là, oh, j'ai fait. Cette semaine j'ai fait deux jours de ramassage matériel, machin, on nettoie le matériel de mon père et tout, parce qu'il y en a une tonne. Il avait 15 ans de matos à trier, jeter. Oui, ça fait plaisir, moi. Là. Bah moi ce qui est chiant c'est que c'est pas le soleil. Là c'est le... En fait non, ce qui me rend heureux d'avoir chaud, c'est pas le soleil, c'est le chauffage allumé pour sécher mes fringues. C'est d'avoir mis mes fringues à sécher, parce que du coup ça me fait une température montante. Dans mon endroit où le soleil apparaît à peu près entre 7h et 9h au coucher. Qui chauffe pas grand chose, hein, clairement. Mais bref. Non du coup ouais, là j'ai fait... J'ai fait du déménagement, du machin, avec le camion. On a été au ferrailleur deux fois aujourd'hui. J'ai été à la déchetterie mardi. Oh, au bout d'un moment... Et là, il y a un moment en plus. Au ferrailleur, on avait... pour pouvoir ranger dans le camion, pour pouvoir transporter, je pliais la moitié de ce que je pouvais, c'est-à-dire les étagères, les vieux trucs un peu rouillés, on essayait de les plier, mais il y a un moment c'est du métal. Hein, donc... Et du coup voilà. Sauf que à un moment on nous a dit, on prend les bonbonnes de gaz, les machines de gaz, mais ils disent faut les percer avant. Sauf que le problème c'est que nous on a tellement tout déménagé maintenant, que là où le matériel qui reste, parce qu'on est quasiment sur la fin, on n'a plus rien pour travailler. C'est-à-dire que littéralement, on prend les trucs, on les emmène, quoi. Il n'y a plus que ça à faire. Du coup, il nous avait dit, bon, bah, vous prenez une pioche et vous la percez. Alors, je suis pas le plus faible, hein, quand même. Hein. Je suis pas le plus faible. Mais littéralement, j'ai foutu au moins 50 coups de pioche pour essayer de percer. Alors en ratant, bien sûr, je tapais jamais au bon endroit parce que viser la pioche avec le bout de la pioche, c'est un peu dur quand même. Surtout que le bidon il bougeait tout le temps, enfin bon, la bonbonne elle bougeait tout le temps, bref. Oh, mais je me suis tué les bras. Et ça a été compliqué hein, parce que c'est résistant. À tel point que la pointe de la pioche, elle était rouillée, elle était plus rouillée. Parce que littéralement, ça a fait de la limaille tellement les chocs ils étaient. Comme ça, plus c'est épine. Bon, ah ouais, bon, alors là, et là j'étais avec ma soeur, elle a essayé de le faire. Je lui ai dit déjà, premier principe, ne pas avoir peur. Parce que si ça devait péter, là on s'est dit, maintenant, si j'ai une bonbonne à la maison, je crains pas de la faire tomber, hein, je crains pas de la percer. Hein, parce que là, pour la percer, faut que je prenne une perceuse, hein, littéralement. Hein. Genre, faut lui faire du mal. Hein. Parce que là, clairement, pour réussir à faire une faille et un trou, et j'arrivais même pas, genre la pioche a même pas traversé, c'est genre juste j'ai fait une ouverture assez grande pour qu'il y ait plus de gaz définitivement. Mais j'ai passé un temps effroyable. Ça a demandé de la force et de l'impact terrible. C'était impressionnant, mais bon. Du coup, voilà. Après, ce qui est chiant, c'est que là, je me dis, est-ce que je continue? Pas combien de temps ça va me mettre là. Puis tu viens d'arriver, ça me fait chier de partir maintenant. Mais bref, en tout cas. Mais c'est vrai que là, du coup, j'ai fait deux jours. J'ai fait mardi, jeudi là. D'ailleurs, je me suis explosé un orteil. J'ai un orteil qui était hier encore un peu violet. Là, il commence à rougir, il y a un peu de violet. Yvonne qui pète car elles sont défectueuses. Sinon, c'est ça. Ah oui, clairement, parce que là, je veux dire, pour les péter. Et j'y suis allé comme un bourrin, hein. Je suis sûr. T'as envie d'arrêter? Non, mais bon, je vais continuer un peu. Mais littéralement, j'aurais pris la mini pelle une tonne, j'aurais essayé de mettre un coup de dent dedans, elle aurait rien dit, hein. Genre, elle aurait dit non, elle aurait dit oui, hein. Clairement, genre là, il aurait fallu que j'aie la 5 tonnes ou la 10 tonnes pour avoir un truc qui perce instantanément, hein. Après, avec une bonne perceuse, je suppose que ce serait parti vite parce que ça l'aurait taillé, mais bon.
Bon, alors, il paraît que je peux acheter des compétences de combat. Boost de santé, augmente la santé. J'aime l'idée. Ça me ferait plaisir d'avoir un peu plus de santé. Bon, reprenons. Alors, en gros, là, c'est passe ton temps. Puis dans les films, tu mets une balle, grosse explosion. Alors que là, clairement, là, la balle, elle fait... elle passe pas dedans, hein. C'est impossible, hein. Ça percera jamais. Ah d'accord, ok. Le jeu qui continue sans moi. Mosmos. Hey, Kaito-san. Yo, comment ça se passe avec Saori-san? Très bien. Elle a immédiatement été embauchée au Queen Rouge. Super. Qui veut dire que tu es libre là, non? Ouais. Eh bien, tu sais quoi? J'ai un job pour toi, Tak. Mmh. Un job? Ouais, urgent en plus. Il faut que tu te rendes au Public Part 3. Pourquoi faire? Je t'expliquerai sur place. Viens, c'est tout. Et il a raccroché. À quoi tu joues, Kaito-san? Enfin, si c'est urgent. Ok. Je sens qu'on va jouer... On va faire du baseball. Ça sent le baseball. Je sais pas pourquoi, je sens le baseball ou une connerie comme ça, genre un sport à la con. Quoi? Ah, le mec, je l'ai chopé, je l'ai enchaîné direct. Vas-y, Samoura, vas-y, ninja! Ta gueule! Occupe-toi des petits, je m'occupe du gros! Oh, le retour que je lui fais, y'a rien compris. Je vois rien. Excuse-moi, je voudrais te faire un gros X. Bon bah allez, hein. C'est quoi? Voilà. Y au revoir. Oh, il est même pas fini. Elle pue, son histoire. Allez, venez les gars. Pas venez. Bon bah, si tu veux pas venir. Attends. Vélo. Vélo. Non, le vélo. Oh mon vélo. Oh, c'est classe. En lui tournant le dos. Comme ça. Bah, par contre, faudrait que j'aille racheter des soins à un moment. Ça pourrait être intelligent. Oh. Mais non, mais je veux pas me battre. Arrête-toi. Calme-toi. Je bouscule tellement les gens. À un moment, je vais perdre parce que du coup, je vais plus avoir de vie. Non, non, c'est bon, regarde, hop, c'est fini. Kaito, aide-moi. Il y a un gamin. Il y a un bébé. Kaito, aide-moi. Aide-moi. Bon bah. Oh, je peux faire un X. Avec un machin enflammé. Tac. Allez. Je suis pas là pour ça. Bonjour. Il a perdu sa mère. Allez, fais-le. Prends la pose de Captain Police. Non. Kaito-san, qu'est-ce que tu fabriques? T'as pas dit que c'était urgent? Oh. Ouais, c'est bien ce que j'ai dit. Bon, et qui est le client? C'est moi. Il faut que tu fasses quelque chose avec ce petit morveux, Tak. Mmh. Hein? Il me suit partout comme un chiot égaré. Qu'est-ce que t'as fait? Ah, j'y crois pas, j'ai trouvé Captain Police, monsieur. Captain... Quoi? Tu connais pas? Captain Police. C'est le super-héros policier qui protège la ville. Il est carrément trahi l'organisation malfaisante pour combattre le crime. Je suis un peu perdu, là. Smioche était sur le point de se faire enlever par des Yakuza. Je les en ai empêchés, mais maintenant j'ai un fan. Il est trop fort. Il a mis ses types KO, comme ça, bim, bam, boum. Le gosse doit le prendre pour un genre de super-héros télévisé. Sauf qu'il s'est pas transformé. Peut-être parce que t'avais pas ça, Captain Police.
Ok. Ça, quoi? Il faut que tu tiennes ça et tu fasses comme ça. Captain Police! Ok. Comme ça, tu te transformes en Captain Police. Ah ouais. Tu devrais essayer, Kaito-san. Oh, le mec, il l'envoie son pote. Sûrement pas. Ah non, mais faut finir ça, c'est trop drôle. Hey, comment tu t'appelles, petit? Yosuke Okoyabayashi. Oh la vache, j'ai réussi à le dire comme as. J'ai 6 ans. Où sont ton papa et ta maman? Mon papa termine le travail à cette heure-là, alors je suis venu le chercher. Tu as fait le chemin jusqu'à Kamurocho pour venir le chercher? Et c'est là que tu as rencontré les vilains monsieur? Ouais. Ils m'ont demandé où était mon papa. J'ai rien dit. Et après, ils ont essayé de m'attraper. Alors, comme ça, les Yakuza cherchaient ton père. Pourquoi ils s'en prendraient un gosse? Pourquoi s'en prendre un gosse? Oh, ça me dépasse. Mais on ferait bien de nous hâter. Ou le père du gamin pourrait bien reconnaître le même sort. Exact. Si les Yakuza sont impliqués, c'est les ennuis assurés. Ouais. À toi de t'en charger, Toc. Oh, c'est donc ça, ton job. Hein, d'accord. Bon, il me faut plus d'infos sur ce type. Hey, Yosuke-kun. Tu veux me dire à quoi ressemble ton papa? Son visage, ses cheveux, son poids? Oui, il est mince, il porte des jolis habits, il a des tout petits yeux, et il a les cheveux courts. Très bien, ça devrait suffire. Vas-y, je te refile le boulot, ouais, c'est ça. Nah. Où as-tu trouvé ce gamin, Kaito-san? Sur Supon Street. D'accord, je vais jeter un œil. Allez, monsieur, prends la pose de Captain Police. Je sais que t'es lui. Tac. Rends-moi service et trouve ce type, vite. Je ferais bien de trouver ce type avant que Kaito-san s'arrache les cheveux. Ses beaux cheveux. Bon, ok, petite affaire, là. Mais du coup, est-ce que je fais vrai... Ah oui, c'est vraiment la quête principale. C'est une quête secondaire, mais une quête principale quand même. Oh, vas-y, vendu. Oh non, mais... Hein? Encore? Je t'ai déjà buté, toi. Attends. Attends. Pas lui que je voulais taper. Pas avant. Grand. Excuse-moi, je voulais prendre la batte. Je veux prendre la batte. Pas la barre. Mais la barre! Putain, gros con! Merde, je voulais pas me faire toi. Je voulais me faire toi, alors. Merci. Enculé. J'avoue, il m'a bien eu. J'avoue, il m'a bien eu, hein. Merde, où tu vas? Où tu tapes? Vas-y Ryan! Nique-le! Vas-y Ryan! Allez Ryan! Allez Ryan! Tu peux le faire! Tu peux le faire Ryan! Vas-y, assomme-le! Voilà, tranquille. Ça va, quand je prends pas trop de risques, ça va. J'arrive à peu près à m'en sortir. Merci Ryan, j'ai bien fait de l'aider ce con, hein, parce que sinon, les combats seraient pas pareils. Hein. Bon, alors, ici. Oh là, oh, une pièce violette. Ah. Ah oui, c'est le bordel ici. Il s'est passé des choses pas terribles. On dirait que Kaito-san a causé un beau bordel. Ça m'aiderait si je pouvais trouver des indices sur les Yakuza qui ont tenté de le kidnapper. Je pourrais bien trouver un indice dans les alentours. Ok. Il est où le chat? Where is the cat? Il y a toujours un cat à scanner. Où il est? Je t'ai entendu. Cat. Il est où? Oui, ils se mettent en l'air, ces petits cons.
Bon, c'est pas grave, allez hop. Dokoda. Camion, non. Où est-ce que je suis censé trouver un indice? Ah, ça c'est important. Ce serait pas un coup de poing américain? Sauf que si je me renseigne pas sur son propriétaire. Sauf que ça me renseigne pas sur le pardon. L'endroit doit receler d'autres indices. Oui, bon. Où t'es, saloperie? Oh, le petit salaud. Il était caché. Toujours sur le chat, c'est ça. Oh, tiens, un chat. Ça sert à rien de se faire. La masse, là, non? Ah, j'aurais dit pourtant. La batte. Une batte. Les Yakuza devraient être armés quand ils ont essayé de kidnapper Yusuke. Ça n'a rien d'extraordinaire. Cela dit, alors, ça ne m'aide pas beaucoup. D'accord. Ok. Un panneau, non? Qu'est-ce que je rate? Qu'est-ce que j'ai raté? Je sais pas jusqu'où va la zone, en fait. C'est un peu compliqué. Jusque là, d'accord. Et bah, c'est très bien, mais ça m'aide pas. Par là. Très bien, mais ça m'aide pas beaucoup, tout ça. Hein. Est-ce que le camion, non? J'ai pas trop d'idées, là. Qu'est-ce que je rate? J'ai même pas une vibration pour me dire, tiens, tu te rapproches d'un indice. Putain. Ah. Qu'est-ce que... Ah, là. Y a quelque chose sous cette caisse. Ah ah. Oh. Hey, c'est des mouchoirs en papier usagés. Oh. Yeah. Oh, une pub. Crédit Yakumaru. Ah. C'est bien ce qui est écrit, non? On peut aisément supposer que la bande de Yakuza trempe dans le prêt usuraire. Ça pourrait être un indice. Cool. Bon bah j'arrête parce que de toute façon. Ma seule piste, c'est une pub dans un paquet de mouchoirs. À quoi ça m'avance? Oui. Kaito? Eh, hey, tac. Je sais que t'es occupé, mais tu veux bien me prendre un bento, une supérette ou autre? Je me dis que si le gosse mange, il se taira peut-être. Eh? Hein? Tu peux pas te débrouiller tout seul? Tu me vois me balader en ville avec un gamin? Allons, j'ai une réputation à tenir, moi. Quoi? T'as peur que les gens puissent pensent que tu l'as kidnappé? Ou pire encore, que c'est le tien? Tu vois le tableau? Fais pas l'enflure, tac. Sérieux? Bon, je vais te chercher ça. Au fait, Kaito-san a peut-être entendu parler de cette agence. Crédit Yakumaru. Surtout s'ils sont liés au Yakuza. Au moins, lui apporter le bento me donnera un prétexte pour lui demander. Ok. Alors, il y a un mec vénère à taper, mais j'ai pas envie. Clairement. Non, non. Oh, vous faites chier. Bah, c'était beau ce mouvement, mais ça servait à rien. Tu joues golf? Moi aussi. Oh! Bah, il m'a pas fait l'animation. Ok, c'est bizarre. Non mais, il s'approchait de moi là, de manière véhémente. Bien lancé, Yusuke. J'ai lancé comme tu me l'as dit. Tu vois, une fois que tu sais comment faire, ça vient les doigts dans le nez. Et monsieur ne veut pas qu'on pense que c'est son fils. Ok. Na. Kaito-san. Bravo. Oh, tac. Quoi de neuf? Ah. Comment ça, quoi de neuf? Tu avais pas demandé de t'apporter un bento? Oh, ah oui, c'est vrai.
Tu veux bien me le donner? Mince, je l'ai pas, on dirait. Attends, tu l'as pas pris? Ouais, je sais pas ce que j'ai fichu. Reviens tout de suite. Magne, d'accord. Yusuke est affamé. Les deux boulets. Genre, hein, tu m'as demandé? Ouais, c'est vrai. Et tu me l'as ramené? Ouais, non. Quoi? Ramener? Non, de la bouffe? Attends, un magasin par où? Là, en face de moi, je suis con. Non, non, j'ai pas envie, là, vous me faites chier. Hein. À tous en vouloir à mon fiac. Bon, un bento. Hop, je suis hors zone. Niqué. Ah oui, le mec, Dwayne, qui était très sympa. Alors, une boîte de repas bento. Oh, je te prends le chip, hein, quand même. Hein. Bah tiens, non, j'avais dit qu'il fallait que je refasse un... Je refasse des courses. Hop, allez. On refait le plein. On refait le plein. En vrai, il faudrait que je m'achète du soin plutôt que la bouffe. Hein. C'est l'heure de manger, tout à fait. Hop, j'ai plus... Ah merde, attends, enlève les clopes. Ah oui, en même temps, le hug bomb, vous voyez, ça coûte un peu cher quand même. Hein. Bon bah non à l'alcool. Dites non à l'alcool, ça coûte trop cher. Le Jack Daniels, oui. Bah pompe, hein, chez dans votre magasin. Hein. Est-ce que j'ai le droit à un bon de réduction? Non, j'ai pas mis des points. Bon. Bon, j'ai un bento. C'est quoi chier? C'est bon l'alcool, oui. Voilà, c'est bon, c'est bon. Kaito-san, oui. Oh, tac, alors ce bento. Voilà. Bon, allez, on est généreux avec le gamin. Merci, mec. Je vais donner ça à manger aux gosses. Au fait, Kaito-san, crédit Yakumaru. Ça te dit quelque chose? J'ai trouvé cette pub dans un paquet de mouchoirs, près de l'endroit où a eu lieu l'agression. Hein? Crédit Yakumaru? Ça me dit rien. Comme ça. Rien? Hein? Je pensais qu'il y avait un lien avec les Yakuza. Peut-être, mais moi je suis qu'un civil. Un civil louche. Mais si tu ne sais rien, je suis là en place. T'as dit crédit Yakumaru, monsieur? Moi je connais ce nom. Eh? Quoi? Vraiment? Mon papa dit que c'est un des méchants. C'est des méchants Yakuza, alors ne vous approchez pas d'eux. Eh bien, au moins j'avais raison concernant le lien avec les Yakuza. Mais c'est mauvais signe. Si les Yakuza en ont après le papa du petit, ils lui ont probablement mis le grappin dessus. Ouais. Le problème, c'est de savoir où l'agence se trouve. Bravo. Eh bien, je te laisse faire, tac. Moi, je vais garder un œil sur Yusuke. Ouais, je crois que tu fais un meilleur babysitter que moi. Hé, hey, monsieur, on se fait d'autres passes? Oh. Bien sûr, c'est parti. Il a beau se plaindre, je pense qu'il se fait plaisir. J'avoue. Bon. Mais s'ils tiennent déjà le père de Yusuke, je ferais bien de me grouiller. Si le crédit Yakumaru n'est qu'une bande de requins, je vais devoir nager parmi eux. Il y avait une grosse société de prêt sur Tenkaichi Street. Ok. Bon, ça va, c'est à côté. En même temps, oui, le gamin, il est forcé. Il était à côté de... Non, mais vous me faites chier. Mais tape dessus. Heureusement, c'est Ryan, hein. Ryan le Goat. Même si j'aime pas cette expression, je trouve ça pourri. Je trouve ça usagé comme expression Goat, là. Non. Le mec, je l'ai arrêté, j'ai fait non. Coup de tête, coup de tête, coup de tête. Oh, c'était un coup de genou, mais pardon. Excusez-moi. Mais, mon objet! Il y avait un objet par terre! Salaud! Bon. Alors. Je suppose accès à l'étage. Sexy Club. C'est pas là.
Alors, bien sûr, avec mon bon japonais. Pas du tout, je sais pas du tout ce qui est marqué. Bonjour. Ah, apparemment, je te connais, toi. Ah oui, non, c'est le journal, je crois. C'est le journal, ici. Attends, c'est peut-être au-dessus. Bon, tu grignes ton cul. Ça, c'est une salle de Mahjong. Merde. Où c'est? La clé? Il semble que je n'ai pas la clé pour cette porte. Ah bah. Et du coup, c'est où? Hein? Pourquoi ça s'ouvre pas? Eh, vous devez partir. Vous aviez une clé? Une clé pourquoi? Eh, si vous le savez pas, fichez le camp. Que pourrait-il y avoir à l'intérieur? Non mais je veux y aller moi. Ça avait l'air intéressant dans l'idée. C'est pas le Mahjong quand même. Là? Moi je me suis gouré de bâtiment, j'ai pas fait gaffe. Bonjour, pardon, je défonce tout. Bonjour. Ah. Kamaguchi-san, t'as une minute? Yagami-san, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que le nom de Crédit Yakumaru dit quelque chose par hasard? Je cherche une de leurs agences. Il veut trouver Crédit Yakumaru? Voilà qui ne me dit rien qui vaille. Oh. Ah, alors tu les connais. Tu sais où je peux les trouver? Je te laisse te débrouiller cette fois. Je veux pas être mouillé dans cette histoire. S'ils remontent jusqu'à nous, on est dans de sales draps. Me permettre pas que ça arrive. D'accord. Mais à une condition. Mmh. Laquelle? Tu te rappelles quand je t'ai demandé de faire cracher un chef Kane? Si tu le fais, j'irai me renseigner sur Yakumaru. Est-ce que je suis plus trop pressé, là? Quelle étude? 50 000 pour l'info, dans ce cas. Ça pourrait me convaincre de me renseigner sur eux. Hein? Mais tu veux que je te paye? Je veux, ouais. Les informations, ça a de la valeur, tu sais. Et cette info concerne Yakumaru. Et si ça concerne ces types, je risque gros. J'ai besoin d'une carotte. Et 50 plaques, c'est un prix d'amis. Je vais y réfléchir. Je fais quoi? Je paye pour l'info ou je fais cracher le Kei-in? Alors je vais être obligé d'aller le faire cracher parce que j'ai pas de prix. je suis à sec, comme dirait l'autre. J'ai acheté de la bouffe pour un enfant. Et on sait qu'en ce moment, acheter de la bouffe, ça coûte cher. Faut que j'aille jouer au Mahjong et je gagne. Défonce-le. Ouais, alors, il va plutôt me défoncer, je pense, hein, mais bon. Bon. Kasai. Et où? Yagami. Et voilà, Yagami, c'est aujourd'hui que je t'ai allé sur le trottoir une bonne fois porteuse. Je vais me faire défoncer. Prépare-toi à manger le bitume face de cul. Oui, alors, calme-toi. C'est moi qui vais me faire défoncer, je sens. Il a une barre de vie de ouf, ce con. D'ailleurs, déjà, change de style de combat. Allez, tape, coup de pied. Viens là. Voilà. Ça c'est la taille qui compte. Ouais non non mais par contre les baffes que je vais me prendre elles vont compter. Oh là oh là oh là, oh là on se casse. On se casse. Non 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 non. Non non. Pardon, jette ça. Regardez. Oula. Ça, ça va faire mal. S'il me retouche, je suis mort. Regardez. Ah. Je fasse un contre. Mais non, dans le sens de lui, gros con. Pourquoi tu fais... Mais tu fais quoi, là, Yagami? Yagami, t'es une grosse merde. Et en fait, je veux faire des moves, mais il fait absolument pas ce que je veux. Ce connard. Alors, me vole. T'as pas volé mon fric? Y'a rien. Oui, oui, bordel, oui.
Ouais, mais du coup, je fais quoi, là? Parce que la combustion spontanée. Non, mais le mec, il a fait son ultra, et moi, j'étais là. Ok. Faut que j'aille taper Honda? C'est Honda qu'il faut que j'aille taper? Je vois que ça, hein. Sauf que là... Alors... Ça y est, hein. Normalement, je vais être full life, ce qui devrait être plus sympa. Mais par contre, je crois que Honda est plus violent que le mec que je faisais. Hein? Qui m'écrit? Oui, oui, le chef a dégarpillé, mais le mal est fait. Donc, je pense encore aux blessures. Oui. Je sais, j'ai pas gagné, je sais. La prochaine fois, va aider tes concitoyens. Oh, merde. Ah ouais, mais il s'est barré, du coup. Ah non, mais je fais comment? Ah ouais, mais là, je fais comment, en vrai? Y'a plus de mec à taper. Just do it, ouais. Ouais, mais le do it, là, je vais pas le faire. Là, le do it, il est fini. Y'a plus de do it. Va falloir que je fasse les quêtes. Va falloir que je fasse des quêtes, là. Toutes ces petites quêtes, là. Toutes les petites enquêtes. Pour faire du fric. Je vais pas faire ça aujourd'hui, je spam des doigts, c'est ça. Oui. Il n'y a pas les gars, hein. Les gars ils sont pas là, hein, donc... Bon, procrastine lit, hein, parce que là... donc non, là non, non. Je vais pas faire ça ce soir. Là, je vais en avoir pour une heure à faire rien que tout ça, hein. Je suis sûr, ça va me prendre trop de temps. Après, même si j'avais pas dépensé mon fric, je pense que ça aurait pas passé. Le pire, c'est que j'ai même pas été soigné. Quelle bande d'enculés. Genre, il m'a laissé par terre et dans le mal. Ah, j'aurais dû bouffer pendant le combat, je suis con. Pas grave. Bon, allez. On va y aller. Quitte à faire. Quitte à faire, on va y aller. Ce sera tout aussi bien. Parce que là, clairement, non. Ça va pas le faire. Ça va pas être pour ce soir. Bon, allez, déjà, j'ai avancé. C'est pas mal. Je vais pas me plaindre. À la prochaine pour de nouvelles aventures. Pour God of War lundi, normalement. À moins qu'on m'invite à faire d'autres choses, hein. Des fois, je peux faire... S'il y a des petits jeux d'horreur ou des trucs comme ça, c'est toujours... je prends toujours une petite soirée qui change. Voilà. Des bisous, la bonne nuitée. À la prochaine. Tout ça, tout ça. Bisous, bisous.